Et bonjour tout le monde, c'est Fahali en direct de Twitch avec Kyo qui est juste là. Voilà, qui est là dans le chat. Il est en train de parler, là, il met n'importe quoi. Quoi, les Égyptiens ils ont pas fait les pyramides? Mais si. Les aliens? Non, mais jamais. Arrête avec tes complots, Kyo. Il invente n'importe quoi. Bon, on se retrouve. On se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. Avec tous ces gens-là, ouais, c'est magnifique. Non, mais voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé Kyo, désolé. Je sais que t'as pas dit ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez venir nous voir en live Twitch, c'est tous les samedis de 14h à 15h pour les vidéos classiques, la série solo. Et le dimanche, pareil, à la même heure, pour la série en multi avec Kyo. Non, c'est la martienne qui... Ah, d'accord. Quoi? Ils ont fait les pyramides. On est là, il me semble, et habité après. Ah mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça, mais je me disais aussi quand même. On apprend des choses. Grâce à votre prof Kyo d'histoire, vous pouvez apprendre plein de nouvelles choses. On apprend des choses avec Kyo quand même. Kyo, raconte-nous une histoire. C'est carrément ça. Hop. Tu veux pas remonter? Bah oui, remonter voir la capitale s'il te plaît. Bon, Marie en intendance. Oui, parce qu'il... Ah oui, il y a un compétent de chaque compétent, quoi. On va peut-être divorcer. Je sais pas. Ouais, peut-être. On va peut-être divorcer. On envoie... Oui, on envoie l'armée en attendant. Donc on divorce. Lolol, on va peut-être divorcer. C'est bon, on a divorcé. Intelligent. Il n'y a pas robuste, il n'y a pas d'autres personnes. Un autre magnifique là, un autre génie, 26 ans, parfait, un nouveau génie. On va augmenter les génies, on va être deux fois plus génie, beautiful, génie, magique, tout ça. Un autre génie, quoi. Encore plus puissant niveau génie. Clac. C'est vrai, et je te jure aussi vrai que le nom existe de l'Australie. Quoi? Oh là, Kyo, Kyo. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais devoir faire 3 tonnes de montage là. Avec vu tout ce que tu dis là. 3 tonnes de montage. On va devoir tout couper. On va devoir... Désolé, désolé. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Il manque plus qu'il fasse une publicité pour Monster. Un grand temple là-bas, voilà. Et tu vois, les grands temples, c'est exactement ce que tu faisais, toi. Les grands temples. 900-500 balles, ça nous coûtait très cher. Est-ce qu'on pourrait pas avoir... Ah, c'est notre lieu saint, mais c'est parfait, on a un lieu saint, et plus 5% de bonus de soldats, mais oui. Et du coup, bah, techniquement, je voudrais bien trahir mon allié, là, celui-là, là, juste ici, pour avoir le lieu saint à côté. Il y a des... C'est quoi, toutes ces troupes là qui passent, ils se détruisent, ils reviennent, ils détruisent, ils reviennent. Ah, ils reviennent avec des nouvelles troupes, eux aussi. Me dire, c'est bon, on gagne, tout va bien. Calmez-vous, les mecs, calmez-vous, on gagne, tout va bien. On a une belle armée puissante. Voilà, Kyo, tu as quelque chose à dire? Je sais pas, une technique personnelle, comment gagner et le plus de compter très vite. Je sais pas, une stratégie. Non, d'accord. Ouais, on a aussi, oui, tout ça à revendiquer. J'aimerais bien revendiquer lui. Est-ce que lui, on l'a déjà revendiqué? Attends, oui, on l'a déjà revendiqué. Non, on n'a pas revendiqué. Je veux revendiquer tout le monde. Tout le monde sera dans mon royaume. La vraie puissance, c'est les bâtiments et l'argent. Ouais. Eh ben, non. c'est sûr, ça se comprend. C'est sûr qu'on serait des beaux bâtiments, des palais, des trucs comme ça, c'est sûr, ça... La tête, attends, 700 balles quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on va faire pour estorquer sujet. Moi, je pense que la vraie puissance, c'est estorquer sujet. C'est chacun, ouais, chacun qui voit là, mais bon. L'estorcation du sujet, ça marche très très bien et même très vite. Tiens, on a toujours lieu. C'est qui ça? On attaque une personne. Non, mais c'est trop loin, c'est pas trop royaume ça, c'est pourquoi j'attaquerai. Gain, niveau de dévotion. Ah, j'ai perdu ou j'ai augmenté? Ah non, j'ai augmenté. On va arriver à 5000 troupes. Oh là là, on a trop de terrain. On va enlever ce temple.
La côte comme temple. On a une mine d'or. Oh, c'est une mine d'or, c'est bien ça. Non, c'est... On dirait une mine d'or, désolé, on dirait une mine d'or. Il n'y a pas une mine d'or. On dirait quand même, ils ont pas fait le dessin des mines d'or. C'est un peu ça. Du mine d'or, trois fois dans le nom. Mine d'or. C'est très puissant aussi de demander gentiment de l'or à ses sujets. Bah oui, c'est très puissant. Gentiment surtout. C'est bien le mot. Gentiment. Tu demandes gentiment de l'or à tes sujets. Tu ne demandes pas du tout de force à tes sujets de donner de l'or en échange d'un potentiel. Non, pas du tout, d'accord. Hop, on va augmenter là. Le temps. Le temps. Après le temps. Il n'y a aucune musique là-dedans. Génie, bah voilà, c'est bon, un enfant génie. Comme ça on est sûr, il y a des génies. Ah, voilà, oulala. Oulala, on a un génie. Parfait, parfait, parfait. On pourrait. Voilà, t'as 28 ans, c'est bon, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, une claque direct, c'est bon. Il y a un enfant, hop, c'est parti, on va trouver une nouvelle personne. En dehors du jeu de génie, en dehors aussi de Martial. En dehors de Beau. Avec le sourire, un sourire sadique, mais le sourire quand même. Waouh. Robuste et vif. Il est quand même plutôt pas mal celui-là aussi, robuste et vif. Hein. Robuste, robuste. Tu reboostes ou pas? Je rebooste tous les jours, moi. Tous les jours, je rebooste. On va prendre le robuste. Hein. Robuste et vif. Au moins, c'est le seul qui a deux traits dans le patelin. Il aime tempérer. C'est un intendant? Non, c'est un mec en martial. C'est parfait. Parfait. Il est très bon. Ah, c'est mon chef d'armée. Encore mieux. Encore mieux. Mon beau chef d'armée. Tiens, lui, il était éduqué. Ah oui. Quoi? Non, mais c'est bon, c'est la bonne personne. Ben, je veux l'éduquer. Mais rendez-moi mon fils. Tu t'appelleras Dumbo. D'où comment? Tiens. Voilà. Et toi, tu vas t'allier au roi machin Ramsès V du patelin. Voilà, tout à fait. Et du coup, on a une belle alliance. Ah, il est déjà en guerre lui aussi. Oh, mince. On fait des revendications contre des gens qui sont en guerre. Comment nous allons faire? Du coup, le seul allié, c'est... Ah, oh, il a plus d'alliés. Il a plus d'alliés, ce mec. Trop bien, mais ça, c'est un bon plan, ça. C'est un bon plan. C'est un très bon plan. On va peut-être... Oui. Ah mince, on n'a pas de prestige. Ah, c'est mauvais, ça. C'est un mauvais plan. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un mauvais plan. Et en plus, c'est la capitale, là-bas. Alors, théoriquement, on va faire ce que je sais faire de mieux. Clac, on crée un titre. Voilà. Plus 300. Crée un nouveau titre. On a combien? 600. Est-ce qu'on peut attaquer? 600, on peut attaquer. Parfait. Mais regardez-moi ça, on prend tout ça. C'est pas notre allié il y a deux secondes? Ah oh, si, un truc comme ça, quoi. C'est pas un ami, celui-là. Ah, tout de suite, je pense qu'au Moyen-Âge, dès que le mec il voyait que son allié n'était plus assez puissant ou qu'il était un peu affaibli, directement, il attaquait en douce. Hein. C'était obligé. Et même à l'époque, ils avaient pas, ils envoyaient pas un mail en disant tiens, on vient t'envahir. Non, c'était pas comme ça. Non, on va pas venir l'envahir comme ça. Clac. En 5 mois. 5 mois, on a pris le terrain. Lui, là-bas, il est en train de s'enfuir. C'est une cité, ça. Ouais, c'est une cité. Une cité de chez moi. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est dommage qu'on ne peut pas jouer les cités, parce que dans CK2, on pouvait jouer les cités. Je parle des villes, bien sûr. Les belles villes. Ça va un peu trop vite. On va rançonner en attendant. On rançonne. Oh tiens, 100 pièces d'or. 10 pièces d'or, parfait, merci. On va pas manquer de thunes. Après, les vassaux, ils ont pas trop l'air de... Ah oui, trop de duchés, sûrement. Sûrement, mais il n'y a que des duchés. Bon, en fait, on a tous les territoires et les duchés avec. Non, tu vas revenir. Tiens, on va te battre. Tu vas pas me dire que cette fois, là, on voit bien, regarde, c'est marqué gagnant. Bah, tout à l'heure, c'était marqué gagnant, et j'ai... Ça fait quand même massacrer, mais direct. Voilà. Ah, la guerre est déjà terminée. Tant mieux. Ça m'a tout à fait. Clac. Quoi? Quoi?
Puis quoi? Mais voilà, ça prouve un petit peu le bug. Un petit peu, ouais, parce que on a un peu déclaré une guerre. Et bizarrement, mais oui, c'est n'importe quoi ça. Et bizarre. Oh oui, de toute façon, ce mode, il y a des petits bugs quoi. Les petits bugs. Et eh ben voilà. Merci. J'adore cette guerre. Cette guerre en fait a été super rentable quoi. En fait, on a fait une guerre pour l'envahir. On l'a toujours en prison. On l'a encore en prison là. Là, on l'a en prison. Mais derrière, il a récupéré un territoire à nous. Je voudrais bien comprendre. C'est quoi cette guerre? Non mais, en gros, j'ai pas besoin de territoire. J'ai fait une guerre pour envahir. J'ai repris son territoire. On pourra bien revenir en arrière pour la vidéo, mais ouais. J'ai repris son territoire. Et voilà. Attends, il est en prison encore chez moi, c'est bien ça. Il est même plus en prison chez moi. Il est en prison chez qui? Il est en prison chez lui. Ah, il a perdu le territoire, d'accord. Bon, d'accord. Ok. Bon, bah, bon, va bah, ça. Ah oui, c'est bon, je vois. Je vois ce qui s'est passé. J'ai déclaré une guerre. Pour qu'un vassal récupère un titre. Mais vu qu'il est duché et que moi je suis aussi duc, bah le vassal récupère le titre. C'est ça. Non, c'est bon, c'est logique. C'est logique. Bon, au moins c'était très, très 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 drôle. Un petit moment de surprise, on s'est bien marré. Hein. C'est bon. Alors tu as son héritier aussi. Non, en fait c'est lui qui a tous les héritiers. Non, quoi? Mais attends. Bizarre. Pourquoi alors il n'aurait pas les héritiers? Pourquoi lui-même? Déjà, j'aime bien, je peux faire un éclair de guerre pour un royaume alors qu'il a même pas le royaume, le mec. Le royaume, c'est ça. Ah non, c'est pas toi. Mais je sais pas si. En fait, c'est son comté, lui là, le comte machin, qui a récupéré tout le duché. Mais pourquoi lui il a récupéré le comté à côté? Qui était chez moi. Alors que normalement ça aurait dû être l'inverse. Ah mais c'est bon, il a été libéré par l'autre. Bon d'accord, ils déclarent une guerre, ils sont en train de... On va les laisser faire. Ah, je m'emmène pas trop les problèmes diplomatiques. Bon, voilà. Bon, on va partir à la chasse, on va faire semblant d'oublier tout ce qui s'est passé. On va faire un banquet. Ouais. On va faire une petite taf, on va oublier ce qui s'est passé. Chef, pourquoi on a déclaré la guerre? Oh, je sais plus trop quoi. On a déclaré une guerre et. Bon, il y a un problème de la signature de l'acte. On l'aura passé à un territoire au lieu de. Je sais pas, un truc comme ça, mais. Mais bon. Festoyons, attendons. Festoyons, mes frères. Festoyons. Festoyons. Le temps qu'on comprenne quelque chose un jour. Bon, on a perdu tous les terrains. On a vraiment perdu tous les terrains dans le machin. C'est trop drôle. On se marre. C'est vraiment un pur fou rire. Mais quand même, il a 6000 hommes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 6000 hommes? Quoi, on n'a même pas d'enquête contre ça? Ah si, on a un... Je pense que c'est un problème. Un problème, j'ai plus... Pourquoi je pourrais... Ah bah si, on peut faire. Voilà, eux on peut. Voilà, très bien. Là, tu peux dire oui, d'accord. Ils sont 6000. Ah, ils sont aussi alliés au roi. Eux, ils sont en guerre contre tout le monde. Me dis pas qu'il y a une guerre pour récupérer son comté. Eh bien, il est mort, mince. J'ai pas le temps de voir. D'accord. Une guerre pour récupérer son comté. Clac. Bon, on va essayer de gagner le territoire, au minimum. On fait une guerre pour récupérer le territoire, pas pour le donner à quelqu'un d'autre. Rocket League. Quoi? Quoi? Oh là 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 là. J'adore. Mais oui, merci. Merci. Il n'y a pas du tout, je ne galère pas du tout dans ce. Non, non mais revenez, partez, hop, voilà. Fuyez, ah bah vous pouvez fuyez tout là-bas si vous voulez. Bon, bah on a mal déployé les soldats maintenant. Parfait. C'est toujours chiant quand ça arrive, ça. Oh, c'est classique. Mais ouais, j'aurais dû mettre un peu plus loin. Après aussi, on préfère, c'est quand même bien de penser soldats loin. Quand tu as pas le temps d'enlever les troupes, ouais. Et on va balancer le mec qui fait le siège. Il est où? Il est où? Ah d'accord. D'accord. Bah, c'est lui qui va faire le siège. Normalement que cette personne-là, ça va plus vite. On a le commandant le plus éclaté. Il est niveau 1. Mais il sait faire les sièges. Plus 30% de rapidité. On va pas cracher dessus. Hein. Il est peut-être incompétent.
mais il sait faire utiliser des catapultes. C'est déjà bien. C'est incompétent. Potentiellement incompétent, mais il sait utiliser des catapultes. Voilà, on va essayer de récupérer. On a même plus la revendication contre ce terrain. Même plus. La revendication est disparue comme ça. Disparue. Il n'y a plus de revendication. Incroyable. Je sais pas si l'avantage sert. Bah si, c'est marqué tu 250. Oh la vache. Et on va faire un petit temple. Voilà, on va construire le temple. Le grand temple. Bah c'est quand même, ça sert un peu. Marqué 30%. Vitesse plus pour plus vite faire les sièges. Je vois pas ce que je vais faire d'autre. Dans la logique, ça devrait être plus rapide. Est-ce que ça l'est vraiment? C'est bon, attends, on a un royaume là, juste là. Oula. Oui, je rejoins ta guerre si tu veux. Eh, il est bien ce royaume. Il est bien ce royaume. Ils ont vraiment pas beaucoup de troupes. Hein. On voit en fait tout ce qui est. Regarde. Tout ce qui est à côté développement, bam, d'une île. Tout ce qui est à côté d'une île. Tout ça, c'est super développé. Là aussi, là aussi c'est. Oh, 40 terrains. 41. C'est quoi ce. Vache! Il est puissant lui aussi. Hein. Sumer là, il est puissant. Il ne rigole pas. Le Sumer. Le Sumer se meurt. Ah mince, il y a une maladie qui se développe. Ça s'appelle l'écriture. Les gens commencent à dire. On est en 2003 là. On est en 2003, les gens commencent à dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça pue. Urk 41. Ouais. Ouais, tout à fait. Uruk. Uruk, Urk. On attend en guerre contre. Mais non. High tech, ça, hop, vous revenez, soldats. Notre capitale aussi, bien, hein. Pas mal. Attends, c'est. Hop, clac, ici, notre capitale est à 28. Voilà. 28 et 28 de développement, 28 de contrôle, 28 de tout, quoi. Tiens, Uruk, il n'y aurait pas notre. Un truc, non? D'accord. Il n'y a rien d'autre. Ah, quoi? On est descendu à 8? Ah oui, mince. J'ai changé de mari, c'est pour ça. J'ai changé de mari. Voilà, on a 9 là. C'est bien. C'est mieux comme ça. Je préfère. Celui-là, il n'a pas de troupes. Hop, on l'attaque. Et cette fois, on déplace les troupes loin. Qu'est-ce qu'il y a? En 2000, on pourra dire qu'on subit le bug. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, on va subir le bug de l'an 2000, bien sûr. En moins 2000. Techniquement, là, c'est moins 2000. Théoriquement. Moins 2000 avant Jésus-Christ. On pourra dire, ouais, il y a le bug. Il y aura un truc qui va se passer. Oh là là, tout le monde a rançonné. Et on rançonne les mecs. On rançonne. Le rançonnage, ça devrait être automatique. Ce serait pas mal de rançonner automatiquement. Clac, t'appuies sur un bouton, clac, ça rançonne tout le monde. Ça serait un mode à inventer, ça. Un mode très sympa. Inventer. Regarde. Soldat. Vous n'avez peut-être pas grand chose, mais vous avez une épée. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette épée? On tabasse l'ennemi. Du coup, bah, je vous envoie attaquer. C'est parti. Soldat, en avant. Il y a une garde devant vous. Tu as un bouton dans le menu prisonnier pour rançonner tout le monde. Oui, mais la plupart des gens, comment dire, la plupart des gens, quand je vais mettre rançonner, 3 personnes, oui, mais ça va me faire gagner très peu, quoi. Bon, après, bon. Ah bien qu'il y a un ordre, c'est les prisonniers, parce que là, ça va peut-être rançonner une personne, mais il y a certaines personnes, c'est marqué, tu sais, 30 d'or sur lui, mais on peut le vendre à 100 d'or. Ça va quand même le vendre à 30 d'or si je mets rançonné. Si je regarde pas, ça va le vendre à 30 d'or quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà, après on pourrait se mettre clac. Petit boost de santé. Parfait. Le rançonnage, c'est la santé, rien de mieux. En plus on a que 26 ans, j'aurais pu me lancer après dans la santé, mais bon. 100% direct, oui, merci. Allez, faut vraiment passer à quelqu'un un truc, hein. Y'a quoi ici? Quel comté le moins bon du patelin? Celui-là.
Les mecs ils s'abattent souvent dessus. Ah ouais d'accord. Clac. Pause. Je sais pas si t'as vu les récompenses, tout ça, elles sont même personnalisées dans le chat. Oui c'est vrai que c'est dommage. Ouh là là. Alors ça c'est ma fille. Honnête. Humble. Ou sinon elle devient... Je pense que humble c'est pas mal aussi, c'est cool, un petit peu de précis, un petit peu de piété, c'est toujours pas mal, ça change. Prépare pour la suite de l'aventure. Ah bah, il est vraiment supposé... Je peux pas déclarer guerre. Ah si, j'ai invocation, juste pour ça. Invocation pour récupérer la seule ville que j'avais tout à l'heure. Le mec il lit même pas, t'es qu'il clique. Et dans le temps que je traduise, ça verra à quoi. Ah, là je parie que c'est encore pour... Ah c'est pour un mec de ma cité, mais vu qu'il va récupérer un duché, ça va le libérer, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça que je pensais. Il y a celui-là. Il y a quand même 5600 hommes, ça paraît risqué un peu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, j'ai une fille. Intelligence, oh là 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 là, les traits des personnages chez moi, mais c'est de fou. Une grande dynastie des pharaons là, c'est... Ah, 13 000 hommes, ouais, 13 000 hommes, ça va être compliqué pour la future bataille, ça va être compliqué pour la vie plus tard. Voilà, hop, clac. Bon, je pense qu'on va arrêter ce live maintenant. Voilà, on va arrêter cette vidéo, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé. Dans le prochain épisode, on essaiera de vous voir pour partir à la conquête de ce patelin là, ici, là-bas, tout là, tout ça, prendre d'autres personnes, essayer de prendre le plus possible l'Égypte ancienne, juste ici là, on a 21 territoires sur 31, c'est déjà bien. Oui. Au revoir à toi Kyo, n'oubliez pas, vous pouvez venir directement sur les lives de Kyo aussi, il fait le samedi des lives en solo, une série avec la Perse, voilà, je vous conseille, et venez sur Twitch nous dire bonjour. Allez, je vous dis à bientôt, c'est Fali, au revoir.